tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au nouveau titre qui date quand même d'une semaine à l'heure où je suis en train de filmer cette vidéo, Deities avec Wave et Illusion. Donc ça va être un petit peu la particularité de cette vidéo, c'est que je vais faire deux réactions dans la même vidéo, parce qu'en fait ce qui est bizarre et ce qui n'est pas habituel, c'est qu'ils ont sorti deux MV. En fait ils ont sorti deux MV pour deux chansons en même temps. Donc t'es là en mode d'accord, je suis censée faire comment? Donc je me suis dit bon, autant faire les deux, mais du coup je ferai les deux dans la même vidéo. Alors ce qui est cool avec ce comeback, c'est que c'est plutôt différent du style qu'ils ont habituellement, mais en même temps je trouve que leur style habituel, on va dire ça comme ça, est tellement bien, parce que franchement 80s, leurs chansons tu les reconnais à 3 km. Dès que t'entends, tu sais quand c'est du 80s parce que c'est très particulier. Je pense qu'80s, soit tu aimes, soit tu détestes, parce que c'est vraiment un truc où tu peux pas être entre les deux. C'est vraiment, c'est tellement particulier comme son que je pense que soit tu aimes, soit tu détestes. Mais moi personnellement j'adore, parce que c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal, parce que justement c'est pas un son auquel on est habitué, c'est... Il faut s'y faire en fait. Quand je suis allée les voir au concert, waouh, waouh, un truc de ouf. Et là, bah, ça m'a carrément plongée. Du coup, maintenant, j'adore 80s. C'est génial. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait une espèce de... Je sais pas comment c'était géré, mais en fait, mes music tests nous proposaient de voter pour leur chanson-titre, si on veut. Donc, c'est-à-dire quelle chorégraphie entre les deux on préfère, avec des teasers, à l'aide de teasers, genre quelle chorégraphie on préfère et quelle musique on préfère. Donc moi je pensais qu'en fait en fonction des réponses ils allaient en sortir qu'un seul, et en fonction de nous ce qu'on avait répondu. En fait non, ils ont quand même sorti les deux, donc c'est pour ça que ça m'a un peu perturbée. Mais bon bref, on va regarder ça tout de suite. Je suis assez pressée parce que ça a l'air, d'après ce que j'ai vu, puisque j'ai participé à la campagne, on va dire ça comme ça, même si c'est pas une campagne, enfin, vous m'avez comprise, j'ai participé, donc j'ai vu un peu ce qu'il en était et c'est différent de ce qu'ils font. C'est beaucoup plus coloré et c'est beaucoup plus, comment dire, normal, si je veux dire. Donc on va voir ça tous ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a les sous-titres en français, donc ça c'est vraiment cool. Et tout de suite on va commencer avec Wave. C'est parti. C'est celle pour laquelle j'avais voté, c'est celle que je préférais entre les deux. Ça fait tellement été. Bon, en même temps, on arrive dans l'été, donc c'est normal, tous les groupes commencent à sortir leurs chansons d'été. Wow! Oh, j'aime trop ce plan, c'est très beau. Wow. Vous voyez, vous l'entendez que c'est différent. Hakuna Matata. Ouais, Mingi. Et justement, il y en a qui critiquaient parce que c'est différent et qui changeait de concept. C'est trop génial, il a coupé ses cheveux. Au début, je l'avais pas reconnu. Et donc je disais que justement, il y en a qui critiquaient parce que ça change beaucoup de leur concept. Oh, c'était très cool ça. De leur concept sombre.
Et du coup, il y en a à qui ça plaisait pas trop en fait, parce que 80s, c'est vrai qu'il s'est caractérisé par genre Ala Ala ou Say My Name, ce genre de concept un peu dark. Alors que là, ça n'a rien à voir, c'est très joyeux, c'est très été. Après là, on voit pas beaucoup d'éléments de chorégraphie, alors qu'80s, ils ont des chorégraphies de ouf. Mais moi, ça me dérange pas, je trouve ça super cool et c'est trop beau en fait. Wow, I know. Puis là, on est bien dans le mood, genre il fait chaud et tout. Enfin, c'est super esthétique, c'est très très beau. Et ce qui est cool, c'est que c'est que des plans naturels. Parce que c'est cool d'avoir genre de l'effet spéciaux. Oh, regardez comment c'est beau. Ça peut être un poster. Waouh. Donc, je crois que vous l'avez compris. J'étais en train de vous dire que c'est cool d'avoir des effets spéciaux, etc. Parce que ben, c'est impressionnant. Ça peut être très très beau également avec les effets spéciaux et tout. Mais avoir des plantes naturelles, c'est très bien aussi. Quand il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de chichi, etc. Les deux vont bien et je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. En même temps, vous allez me dire, c'est pour celle-ci que j'avais voté. Que ça soit au niveau du son ou de la chorégraphie, c'était pour Wave que j'avais voté. La plupart, enfin en tout cas moi quand j'ai voté, c'était Wave qui l'emportait des deux côtés par rapport à Illusion. Donc en fait je suis contente parce que pour moi c'est pas une grosse surprise et c'est pas une grosse déception. Parce que je le savais déjà en fait, je savais déjà que ça allait être ce concept. J'avais déjà entendu des bribes de la musique, j'ai vu également des bribes de la chorégraphie. Donc je savais en fait clairement à quoi m'attendre. Donc je suis pas déçue parce que ça correspond totalement. Au moins c'est bien, c'était pas de la pub mensongère. Ils ont respecté ce qu'ils nous ont montré, donc ça c'est plutôt cool. Et au final, je trouve ça très très bien. Effectivement, pour moi, c'est pas la couleur d'80s originelle parce que effectivement, au niveau de la musicalité, c'est une très très belle chanson, mais c'est beaucoup plus, comment dire, banal entre guillemets. C'est beaucoup plus banal que leurs autres sons, comme j'ai dit précédemment, comme par exemple avec Ala Ala ou Say My Name, où là c'est très spécifique comme son, voilà, là ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus, c'est une mélodie que d'autres groupes auraient pu avoir, alors que pour Say My Name, c'est 80s, tu vois, ce genre de son, c'est, tous les groupes ne le font pas. Donc du coup, première chose, voilà, bah bref, moi je suis vraiment contente. Franchement, je suis très contente. J'ai tout dit pendant le MV. Enfin, encore une fois, ils sont magnifiques. Ça fait plaisir de les voir s'amuser, de les voir sourire, heureux, etc. Parce que justement, comme on change de concept, on n'est plus dans un concept sombre, etc. Ouais, bah, là, on les voit sourire, on les voit s'amuser. Et du coup, enfin, moi, je pars du principe que quand on voit des artistes qu'on apprécie s'amuser, etc., enfin, ça ne. Je sais pas, ça nous rend joyeux, on se dit oui, enfin, soyez heureux, tu vois, enfin, je sais pas. Bref, vous avez eu ma réaction pour celui-ci. Donc là, on va tout de suite partir sur Illusion. Là, du coup, j'ai un peu plus peur parce que c'était mon deuxième choix, donc c'est celle que j'aimais moins. Et là, j'ai commencé par Wave. Donc, fatalement, il va y avoir une comparaison de fait, ça va être obligatoire. Donc là, je suis un peu plus inquiète, entre guillemets, parce que c'est. Elle m'avait pas, enfin je me souviens qu'elle m'avait pas accroché plus que ça. Donc on va voir avec la totalité et la finalité du truc. On va voir ce que ça donne. Allez. Allez, allez. Go, go, go. C'est parti. Oh, ça commence direct. Yeah. Oh. Ah, ça me fait grave penser à Peter Pan. Est-ce que c'est fait exprès?
genre ils sont dans un bateau volant. Et là, leur physique, ça n'a rien à voir. Genre, ils ont changé leur couleur de cheveux. Waouh. Là, déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que ça n'a rien à voir avec Quave. Parce que sortir deux MV en même temps, pour deux chansons, ça n'a rien à voir. Ouais, c'était beaucoup plus naturel. Là, c'est très fantastique. Donc ça, je trouve super, ça super cool parce qu'en plus, c'est très très beau. Là, il y a une masse d'effets spéciaux, vous voyez. Je trouve ça super cool. Par contre, le problème, et ça c'est un truc qui me dérange, c'est que quand on voit que ça fait un peu dessin animé, ça me dérange parce que du coup tu vois que c'est faux. Moi j'aime quand il y a des effets spéciaux réalistes. Ça a de l'enfer. Et ce que je remarque, c'est que dans ce MVC, on voit plus d'éléments chorégraphiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie aussi. C'était quoi ce moment? Et vous voyez ces espèces de sons un peu transformés. Déjà, ça ressemble plus à ITZY. Waouh. Il est complètement fou. Et il danse en studio. Oh, il y a un après. Oh, c'était un rêve. Donc en fait, je les ai regardés dans le mauvais ordre, mais enfin, je pouvais pas savoir. Il y a pas une notice genre regardez celui-ci avant celui-ci. Mais en fait, à la fin de Illusion, c'est Wave. Enfin, je veux dire, c'est les images de Wave. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux chansons sont faites pour aller ensemble. C'est comme par exemple, c'est comme pour BTS, Save Me et I'm Fine, c'est deux chansons qui vont ensemble. Parce qu'en fait, I'm Fine reprend la mélodie au début de Save Me. Enfin, d'abord il y a Save Me et après il y a I'm Fine. Là, en fait, c'est pareil. D'abord il y a Illusion et après il y a Wave. Parce que, en fait, alors, je sais pas, est-ce que, genre, ils étaient endormis, ils ont rêvé et du coup, leur rêve, c'est Illusion. Donc dans un monde fantastique, sur un bateau volant, etc. Enfin, un truc fantastique puisque c'est un rêve, donc les rêves, généralement, c'est un peu what the fuck. Et en fait, ils se réveillent et là, ils sont dans le monde réel et là, on part sur Wave. Oh! C'est super cool. Donc du coup, ça veut dire que j'ai pas regardé le truc dans le bon ordre. Mais c'est pas grave. Donc à part ça, je suis... Franchement... agréablement surprise. C'est-à-dire que je m'attendais à être plus déçue que ça.
pas. En fait, je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à moins aimer ça. Je sais pas, je me souviens que quand j'ai fait les choix sur My Music Test, celle-ci vraiment m'avait pas du tout accrochée, mais parce que j'étais trop dans la comparaison, il fallait que je choisisse entre les deux, et Wave avait tout de suite plus attiré mon attention. Du coup, celle-ci, elle était un peu passée, genre un peu inaperçue. Là, quand tu vois, bah, y a le MV, etc., donc ça y fait beaucoup, mais c'est, en fait, c'est mieux que dans mon souvenir. C'est ça, c'est mieux que dans mon souvenir. C'est-à-dire que là, alors je préfère Wave encore, mais je trouve que là, alors en fait ce qui est très bizarre c'est que ici c'est pareil, c'est une chanson qu'on aurait pu attribuer à un autre groupe, donc on n'a pas la couleur vraiment pure à 100% d'80s, mais par contre on a les espèces de petits sons transformés, ça fait déjà plus 80s, mais après il n'y a que ça qui fait vraiment référence si on peut dire. Après, ça reste très... Ça fait moins, en fait, ça fait moins été que Wave. Le son est moins... ça fait moins la chanson d'été par excellence, mais... Bah, en fait, c'est entre les deux. C'est entre vraiment la chanson d'été, mais vraiment très cliché, comme Wave. Vraiment, enfin... Mais moi, ça me déplaît pas. C'est pas une critique. Et 80s... Ah là là, enfin là il y a un fossé entre les deux, et ça c'est un peu au milieu, bon c'est plus vers Wave quand même. Mais voilà, au niveau du MV comme j'ai dit, je trouve ça super cool qu'ils aient bien différencié les deux, qu'il y en a un ça soit un côté fantastique avec des effets spéciaux et tout, et que l'autre ça soit beaucoup plus naturel avec des plans, la mer, etc. Donc ça je trouve ça super cool de vraiment différencier les deux. Après ce qui me dérange un peu c'est... mais ça c'est mon goût personnel, c'est les effets spéciaux, dessins animés, ça j'arrive pas trop parce que je vois que c'est faux en fait. On voit que c'est un fond derrière, un fond vert, et qu'ils ont dansé et qu'ils ont été incrustés dans le fond. Moi je préfère quand c'est beaucoup plus réaliste. Après, faut comprendre aussi que c'est pas des films, je veux dire les MV de K-pop c'est pas des films. Mais parfois quand on voit tous les efforts qu'ils déploient dans les MV pour certains groupes, où vraiment t'es là en mode c'est limite un mini épisode d'une série le truc, je pense notamment à Fake Love par exemple, où là ça fait vraiment réel. Moi je préfère ça. Après, enfin ça va, je trouve ça super cool parce que ça me fait vraiment penser à Peter Pan, et donc Peter Pan bah c'est le monde de l'enfance etc, donc en fait ça, dans mon esprit ça concorde bien au final, donc bon voilà. J'ai vraiment trouvé ça super cool, l'idée du bateau volant, bah justement Peter Pan un peu explorateur etc, je trouvais ça super bien fait et super cool. Après ce qui est bien aussi c'est qu'ils ont, bah après c'est le principe, enfin je veux dire il faut pas qu'ils soient similaires dans deux MV différents vu que c'est deux MV différents justement, mais là ils ont tout changé, genre le style vestimentaire ce qui est logique, la couleur de cheveux, enfin voilà tout a changé. Quoi d'autre, on voit beaucoup plus la chorégraphie dans Illusion, donc ça c'est aussi un point positif pour moi parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'aime quand on voit les chorégraphies, parce que ce qui est dommage c'est que j'avais voté pour la chorégraphie de Wave parce que je la préférais et on la voit pas tant que ça en fait dans le MV, et du coup pour Illusion, c'était pas celle-là pour laquelle j'avais voté, mais par contre, on la voit beaucoup plus dans le MV. Du coup, bah là, au niveau chorégraphique, je peux pas vraiment comparer parce que j'ai pas assez d'éléments de Wave pour pouvoir vraiment me faire un avis définitif. En tout cas, au niveau de la mélodie, je préfère Wave. Je préfère quand même Wave. Et ce qui fait bizarre, c'est que c'est d'écouter une chanson et de pas être surprise, de pas découvrir quelque chose en entier, en fait, parce que les sons, je les connaissais déjà. Du coup, dès que les musiques se sont lancées, ça m'est revenu en tête et je me dis oui, j'ai déjà écouté ça. Ça fait bizarre en fait, parce que généralement, d'habitude, je regarde pas les teasers. Donc vraiment, je découvre vraiment pour la première fois Facecam dans mes vidéos, donc voilà. Donc bref, je trouve que c'est un très bon comeback pour l'été. C'est normal, enfin, en ce moment, tous les groupes sortent leurs chansons d'été. C'est normal, c'est comme à Noël où tous les groupes chantent,
oui, chantent, oui, mais surtout sortent leurs chansons de Noël. Enfin, c'est logique et moi je trouve pas ça mal qu'un groupe change de concept, même si effectivement là on passe d'un point à un autre complètement différent. Et je trouve pas ça mal en fait. Je trouve ça, justement, je trouve que ça rend le groupe plus intéressant parce que ça montre qu'il est diversifié et capable de faire plusieurs choses. Et que, bah voilà, enfin. Moi j'ai trouvé que c'était deux bons comebacks, deux même très bons comebacks. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Également à commenter pour me dire si vous avez regardé les deux comebacks. Est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez voté sur ma music test? Lequel vous aviez choisi? Enfin, n'hésitez pas à me dire. Également, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir et voilà. Et sinon, eh bien moi, je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on va se retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!